Good morgen, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Ahuda, Sarah Batan Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah contre la communauté éternelle. Nous étudions la Sirchet Menachot, Perikhe, Mishnah Tet, Haomer, Are Alai, Batanur, Loyavi Maafé Kupach, ou Maafé Reafim, ou Maafé Yorot, Haarviim. Rabbi Yehuda Omer, Imratza, Yavi Maafé Kupach. הרי עליי מנחת מאפה, לא יביא מחצה חלות ומחצה רגיקין. רבי שמעון אומר, רבי שמעון מתיר מפני שהוא קורבן אחד. On se concentre à présent sur le minchat, minchat maafé, minchat tanour en fait. La Torah nous a précisé, on a déjà évoqué qu'il y a plusieurs espèces de mincha, minchat solet, minchat machavat, minchat machéchet, minchat maafé tanour. Mincha, une sorte d'oblation que l'on va faire, qu'on va apporter, qu'on va faire cuire au four, pas dans une poêle et pas en une pâte qu'on fait ce qu'on veut, mais dans un four spécialement. On va porter, on va parler de deux détails de cette halakha dans notre Mishnah. Tout d'abord, la Torah a insisté que tu le fasses cuire dans ce qui s'appelle un four. Donc si tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir un feu qui va te faire cuire du pain mais qui s'appelle pas un four, ça marche pas. Imagine, tu avais le radiateur, tu as branché ton radiateur, il y avait la résistance comme ça bien rouge, et on a fait cuire comme ça la machavat, c'est une vraie cuisson, on pourrait faire une pizza pareil, et ben ça ne marchera pas, parce qu'il faut quelque chose qui s'appelle un four. La Mishnah donc va me prendre des exemples avec justement des occasions d'utiliser toutes sortes de sources de chaleur, avec même des choses très pratiques qui étaient utilisées de la sorte, mais qui ne s'appelait pas un four en l'occurrence. Donc à Omer, à Re'alai, Batanour, celui qui a fait le vœu de porter une mincha batanour dans un fourneau, cuite dans un fourneau. Lo yavi maafé kupach. Il ne pourra pas apporter ce qui a été cuit dans un kupach. Alors je ne sais pas comment se traduit le mot kupach, on rencontre dans ma sechet Shabbat. Le principe, je l'explique très rapidement, en fait, il s'agit en fait d'une plaque de cuisson. À notre époque, on a la plaque de cuisson avec l'électrique. Donc la plaque de cuisson, il y a un endroit où on pose la casserole, et c'est tout, il y a une résistance juste en dessous. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait pas de résistance. Pour pouvoir avoir de la chaleur, faire cuire, il fallait nécessairement avoir en dessous une caisse où est-ce qu'il y avait des braises qui brûlaient, et puis ça montait et on posait la casserole dessus. Ça, c'était ça, un kupach. C'est en fait une plaque de cuisson de l'époque, qui était avec makom shfitat gdera achat, de quoi poser une seule casserole. Il y avait plusieurs espèces. Perek Shlishi, dans Shabbat, il parle de ça. Il y en a une qui était en trapèze, une qui avait la place pour mettre deux, ouais, Tanour, Kiraïm, Kupar, et plusieurs noms qu'ils ont évoqués là-bas. Là, pour le moment, on va parler du Kupar spécifiquement. Il a l'avantage, lui, donc, c'est une sorte de cylindre, j'imagine, où dedans on mettait des braises à chauffer, et ça se rétrécissait en haut, et on posait là-bas, si on s'était fermé, il y avait un couvercle, quoi, et on posait dessus la casserole à faire cuire. Maintenant, ça arrive aussi, selon la nécessité. On avait un pain à faire cuire, on ne voulait pas allumer le gros fourneau, on utilisait ça, on ouvrait le couvercle, on l'a collé là-bas. Ouais, vous avez déjà vu comment ça se passait à l'époque pour faire cuire le pain, on le plaquait contre les parois. J'ai encore connu à Yerushalayim en face de Moussaïov, il y a là-bas le fameux Eli Cohen, depuis 20 ans que je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu qu'il est encore là-bas, qui continue à faire ses pains. Et donc on fait la pita et on la plaque contre la paroi et ça cuit, comme ça après on la retire. Ok. Et donc, du coup, occasionnellement, on utilise aussi le kupach, cette fameuse plaque de cuisson où on enlevait le couvercle et on a collé la pâte en dessous pour qu'elle cuise au feu, ça marchait très bien. En l'occurrence, ça ne s'appelle pas un tanour, ça ne s'appelle pas un fourneau, donc tu ne peux pas faire ta mincha avec lui. Et sur ça, Rabbi Yehuda va discuter ensuite, comme on va le voir, mais d'abord, on continue de traduire. Ou ma'afé re'afim, ou encore une cuisson avec les re'afim, qui sont les tuiles, d'ailleurs, regardez le Barthénora. C'est mal dit, il y a une lettre qui a été changée, c'est fréquent avec les phonétiques rapportées du français. Mais si vous avez tvuls, tuile, tout simplement, il y a une deuxième vague, il va le remplacer avec un yud, et on aurait eu le mot tuile. D'accord? Tu lui laisses le chine à la fin, c'est parce que ça vous intéresse, quoi. Et chaque fois qu'il y a les laazé, rachi, en général, quand ils veulent rapporter en phonétique un mot d'une autre langue, ils vont chaque lettre, elle va être retranscrite par une autre lettre. Donc en français, quand on dit des tuiles, même si on n'entend pas le S, mais c'est au pluriel, il y a un S à la fin,
Vous allez voir dans la fin du tic, ils vont vous rapporter le shin à la fin. D'accord ? Toute lettre qui est écrite, elle revient. Même si elle ne se prononçait pas, je dis toujours. Quand je suis arrivé en Israël, je suis tombé, j'étais encore français au début, je suis tombé une fois devant une secrétaire qui a voulu écrire Dan. Elle a vu mon passeport, elle a écrit D-A-H-A-N. Elle s'est mise à m'écrire en hébreu Dalet Aleph He Aleph Nun. Comme on y dit, je vous avais déjà vu qu'on écrit les Rosenberg avec des tas de lettres entre eux. La même chose, elle m'a fait le Dan. Enfin, je reviens maintenant, c'est juste, si je vous donne une règle, comment lire, quand ça vous intéresse, vous voulez comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le Lazerashi. Donc le S à la fin, c'est parce que c'est en français, il y a un S, on est au pluriel. Concrètement, on parle de tuiles. Je reviens maintenant sur le vif du sujet. Une technique de cuisson, c'est qu'on va prendre une tuile, on va la faire chauffer à fond, et puis après, elle est tellement bouillante que maintenant, on va lui coller dessus le pain. C'est pas un tanour, c'est pas un four. C'est un mode de cuisson sympathique, mais c'est pas un four, ça ne marche pas. Idem encore, on m'a fait Yorot Ha'arviyim. Ou encore ce qui est cuit dans les casseroles des Arabes. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui le four palestinien. Vous savez quoi, le four palestinien, c'est le moule dans lequel on fait les cakes en général. Il y a même un couvercle dessus. Et le principe de ça, je crois que c'était qu'initialement, ça ne rentrait pas au four, ça se mettait directement sur la plaque de cuisson et ça dissipait la chaleur, ça éparpillait la chaleur homogènement, et ça faisait comme un petit four sans avoir la possibilité d'allumer un four. En l'occurrence, ça ne s'appelait pas un four. Comme ça, je suppose, c'est pas exact maintenant. Si vous lisez dans le Bartanora, c'est pas exactement comme ça. C'est plutôt qu'il y avait une crevasse dans la terre, on recouvrait avec du goudron, ou non pas du goudron, j'imagine, avec du tit, avec plutôt du ciment. Et on faisait chauffer là-bas, et on mettait... J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble. Rebbe Weger nous renvoie dans ma Sechet Kelim pour avoir plus de détails, éventuellement. Pour notre sujet, on en a assez dit de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est le principe. C'est qu'il s'agit en fait, dans toutes ces trois choses-là, de choses qui n'ont pas qui ne s'appellent pas être des fours. Or, le vœu, c'est d'apporter un maaseh tanour, d'apporter un four. Donc, tu ne pourras pas faire cuire dans toutes ces choses-là. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer, Imratza Yavim a fait Koupar. S'il veut, il pourra, oui, amener le Koupar. La fameuse plaque de cuisson qu'on a dit, où il y avait le couvercle, que de temps en temps, ça arrivait de coller là-bas un pain pour faire cuire. Selon Rabbi Yehuda, ça s'appelle quand même un tanour. Comme ça, c'est rapporté dans le Bartenora. Apparemment, donc c'est une discussion, est-ce que ça s'appelle un tanour ou ça s'appelle pas un tanour? Le Tiferet Israël, il rapporte que non. Il y a Rabbi Yehuda, non c'est pas Rabbi Tifrizal, c'est Rabbi Keveiger, qui mentionne au nom de la Gemara que non, c'est beaucoup plus profond que Machloket. Il y a marqué deux fois le mot Tanour dans la paracha qui parle de la Minchat Tanour, pour élargir un petit peu le principe du Tanour, même ce qui pourrait être appelé un Tanour. Même le Koupar, finalement, ça s'appelle un Tanour, mais il n'est pas relègue sur la fameuse tuile, ou sur ce que j'ai appelé le four palestinien. D'accord ? On a fini pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, je commence par traduire et puis après on explique. Are alai minchat maafé, il a fait le vœu d'apporter une minchat maafé, une oblation cuite au four. Et lo yavi mechatsa chalot ou mechatsa rekikin. Il ne pourra pas apporter la moitié en chalot et la moitié en rekikin, qui sont deux espèces de petits pains, comme ce qu'on va expliquer. Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon permet, mi penesh ou korban echad, car il s'agit là d'un seul même korban. Lorsque l'on apporte une mincha, quelle que soit la mincha, machachet, machavat, maafé, alors il faut apporter une quantité de 1 isaron. 1 isaron, c'est asiri taefa. Un dixième d'une efa, selon la correspondance Escalavgudo, ça correspond à la mesure exacte du shiur chala, pour prélever la chala, avec toutes les variantes possibles, hein, la chumra à partir d'un million deux, 1,666 kg pour les sfarades pour faire la bracha, et pour les ashkenazes, 2,500 kg pour les Ashkenazes qui vont apprendre Khazonish, si toutefois il faut prélever avec bracha. D'accord ? De farine. Ça, c'est la quantité qu'il faut apporter lorsque tu fais une mincha. Maintenant, quelle que soit la minchat maafé ou machvat machéchet, alors tu fais 10 petits pains. Tu prends cette quantité-là, tu fais ta pâte, tu les sépares en 10 pains égales. Et ça va être ça la mincha. Après le Kohen, on expliquera tout ça dans les détails, bien sûr, comment le Kohen ensuite, il va être peut-être il va la couper en petits morceaux, et puis après il va prélever le comète, c'est l'échantillon, le machin de Thomas Bihar, et le reste va être consommé par les Kohen. D'accord ? Maintenant. Pour la minchat maafé, lorsque tu as fait le vœu d'apporter une minchat maafé, la Torah m'a donné la possibilité de l'apporter de deux manières, soit en chalot, soit en rekikim, qui sont deux espèces de pain. Ça ne dépend pas de la forme, mais ça dépend plutôt de l'huile, est-ce qu'on la mélange dans la cuisson, ou est-ce que on fait cuire le pain
sans huile, ou peut-être avec un peu d'huile, je ne sais plus, on le verra ensuite. Mais surtout, lorsque le pain va sortir du four, là-bas, tu mettras l'huile ensuite dessus. Tu vas le badigeonner d'huile au-dessus. C'est deux manières. La Torah t'essaie la possibilité de faire ce que tu veux. Mais, selon ta nakama, tu choisis. Soit tu vas sur le mode chalot, soit tu vas sur le mode rikikin. Et tu fais les 10 en chalot ou les 10 en rikikin. Mais tu ne fais pas 5 et 5. Ça, c'est ta nakama. Tandis que Rabbi Shimon va me dire, non, tu peux, si tu veux, tu peux faire 5 et 5. Parce que finalement, mipenei shehu korban echad, car tout est considéré comme un seul korban, une seule offrande. La Torah l'a inclus dans un seul, elle t'a donné deux options. C'était pour te dire qu'il n'y a aucune différence, en fait. Une pour remplacer l'autre. Tu peux faire même 5 et 5 si tu veux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Hatzlacha kol tov, v'salam.